Alors, on va commencer par quoi, mes lovers? Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Hola, hola, hola. Alors, aujourd'hui, là, préparez-vous. Est-ce que tu es prête? Si tu sois bien assis, prépare-toi bien. Hein? Si tu es en train de boire, ne bois pas parce qu'aujourd'hui, on va bien rigoler. La vidéo d'aujourd'hui, c'est rigolade, bonne humeur. Voilà. Je sais qu'on est. Couvre-feu à 18h à la maison. Je ne sais pas chez vous là où tu te trouves, mais nous, à 18h, tout le monde est à la maison. Donc, un peu de bonne humeur dans les vidéos, ça fait toujours un plus, ça fait toujours du bien. Alors, pour commencer, la chanson que je vais chanter là, c'est en rapport avec le thème d'aujourd'hui. Lelo bitumba lo bibitumba na lembie e lelo kosana lo bibitumba na baye e na boyi ko baby santoto na manzaka na lembie e Mario na baye e Mario na lembie e Kende na yo na baye Mario na lembie Lo bitumba lo bibitumba na lembie Le lo bitumba lo bikoswana na baye Mario na lembie Oh Mario Hola tout le monde, si tu es nouveau, si tu es nouvelle, moi c'est Delphine, ici c'est la bonne humeur, ici on rigole. Je m'appelle Delphine en tout cas, c'est ma chaîne, je parle de plusieurs thèmes. Je parle sur le développement personnel, je parle sur le bien-être du couple, je parle sur, sur les astuces de beauté pour prendre soin de son visage, comme mon visage. Là, vous voyez comment elle est rayonnée, il y a des secrets dans... Ma chaîne, tu trouveras tout ce qu'il faut pour ton visage, pour bien rayonner ton visage. Donc, il y a tout ce qu'il faut. Donc, on parle un peu de tout et de rien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet. Hey, les Mario. Mario, c'est quoi les Mario? Un Mario, c'est un des thèmes, un des caractéristiques des hommes que nous allons parler aujourd'hui. Un Mario, c'est un homme qui s'est fait entretenir par la femme. Un Mario, c'est un homme... Qui reste derrière, qui vit aux dépens d'une femme, au lieu d'être même correct, il bat cette femme-là. Il la bat. La chanson, tout simplement, veut dire ça. C'est un macho, d'accord? Donc, aujourd'hui, on va parler des caractéristiques des hommes que les femmes n'aiment pas. Les caractéristiques des hommes que les femmes n'aiment pas. Aujourd'hui, c'est next, d'accord? Donc, j'ai demandé à plusieurs lovers... Donc, les femmes, j'ai posé plusieurs questions et sur ce que moi, je connaissais aussi. Et les réponses se regroupent, en fait. Les réponses sont tous pareilles. On se rejoint un peu sur toutes les réponses, donc on va les découvrir bientôt. Première caractéristique. Allez, ma feuille, viens ici. Première caractéristique des femmes que les hommes n'aiment pas, c'est les hommes Mario, comme je viens de chanter tout à l'heure. C'est les hommes qui vivent aux dépens des femmes. Ils sont là à la maison... 24/7, il ne participe à rien. En gros, c'est un homme irresponsable. Hein? Lui, là, c'est la télé. Il se réveille le matin, tac, télécommande, commence à zapper des chaînes, tac, tac. Ce genre d'homme-là, nous, les femmes, on n'aime pas. On fait, tana, nana, 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 next. Deuxième catégorie des hommes. Aïe, là c'est une lover qui m'a donné cette réponse. Alors, elle a dit, elle n'aime pas les hommes qui ont un petit kiki. Les hommes qui ont un petit concombre. Elle a même souligné qu'elle n'aime pas les hommes qui ont un petit concombre. Que les hommes qui ont un petit concombre, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent rester chez leur maman. Donc, les femmes n'aiment pas les hommes qui ont un petit concombre ou qui ont un petit kiki. Et ils doivent rester chez leur maman. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est une lover qui m'a donné cette réponse. Elle n'aime pas les hommes, un petit kiki. Donc, tu sais qui tu as un petit kiki, il faut rester chez maman, ok? On continue? Ah là 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 là. Alors,
Il faut liker, hein? Il faut liker, t'abonner, c'est gratuit. Il faut juste appuyer sur s'abonner et puis ensuite appuyer sur la cloche pour recevoir mes vidéos dès que je vais poster. Comme ça, tu vas rien rater. Voilà, on continue. Alors, troisième type de caractéristique que les femmes n'aiment pas. Les hommes qui ont mauvaise haleine. Les femmes n'aiment pas les hommes qui puent la bouche. Quand tu ouvres la bouche, ça. Ah! Donc, je l'ai vomi. Donc, les femmes n'aiment pas les hommes qui ont mauvaise haleine, franchement. Quand ça pue là, même s'il a beaucoup d'argent. Next. Next. D'accord? Quatrième catégorie. Les femmes n'aiment pas les femmes, les hommes avares, les avaristes, égoïstes. Laissez pas prendre soin de leurs femmes. D'accord? Ils oublient même, ces hommes avares, là, ils oublient même les jours d'anniversaire de leurs femmes. Quand on leur demande, ah, c'était quoi déjà? Ils peuvent même, ils sont capables d'oublier même les jours de l'anniversaire de leur mariage. Tellement qu'ils sont, ils sont avares. D'accord? Ces gens d'hommes-là, nous, on ne veut pas. Les femmes n'aiment pas ces gens d'hommes. Donc, on fait, non. Next! Alors, on continue. Cinquième catégorie cinquième caractéristique des hommes que les femmes n'aiment pas. C'est des hommes qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Ces gens d'hommes qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Les hommes qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Les hommes qui ne sont pas sûrs d'eux, en fait. C'est-à-dire que tu peux vivre avec un homme comme ça. Il te dit même, tu lui demandes, mes chéris, quels sont nos plans, quels sont nos projets d'avenir. Il te dit, ah, bébé, je ne sais pas encore, vivons seulement. Je ne sais pas où on va. Je ne sais pas si. Je ne sais pas encore qu'est-ce que je veux. Des hommes comme ça, nous, on ne veut pas. Nous, on veut des hommes qui sont sûrs d'eux. Des hommes qui savent ce qu'ils veulent. Les femmes n'aiment pas des hommes qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Les hommes qui sont avares. Les hommes qui sont. Voilà, qui ne sont pas sûrs d'eux, quoi. Il est avec toi dans la relation, mais il ne sait pas ce qu'il veut, en fait. Il veut te faire perdre le temps. Nous, on n'aime pas ça. Les femmes n'aiment pas ça. On dit non. Next. On continue? Alors. Sixièmement, quelles sont les caractéristiques des hommes que les femmes n'aiment pas? Les hommes violents. Non. Les hommes violents, les femmes n'aiment pas. On dit tout simplement, next. Hein? Septièmement, quelles sont les caractéristiques des hommes que les femmes n'aiment pas? Les hommes menteurs, les hommes infidèles. Menteurs et infidèles, ils vont ensemble parce que les hommes infidèles, comme j'ai dit dans une de mes précédentes vidéos, quand ils mentent là, en fait, c'est leur spécialité. Les hommes infidèles et menteurs là, quand ils te mentent là, c'est même, ils te regardent droit dans les yeux, hein, et ils te mentent. Les hommes comme ça là, nous, on veut pas, on veut, non. Next. Alors, huitièmement, quels sont les caractéristiques des hommes que les femmes n'aiment pas? C'est les hommes qui ne sont pas responsables. C'est les hommes qui n'aident pas leur femme. Ils sont à la maison, ils laissent la femme tout faire. Ils laissent la femme s'occuper de la maison, de astiquer, de faire. Lui, il est là, il attend juste qu'on vienne la servir pour manger. Ces genres d'hommes-là, nous, on ne veut pas. On ne veut pas des hommes comme ça. Ils sont là juste pour attendre que la femme fait tout pour elle. Elle va chercher les enfants à l'école, elle va travailler, elle vient, elle fait à manger. Lui, il attend quoi pour manger? Nous, les hommes comme ça, tu passes même pas un coup de main à ta femme, tu fais même pas la vaisselle, tu fais même pas la lessive. Les hommes comme ça, nous, on n'aime pas. On fait non. Next. Alors, neuvièmement, qu'est-ce que les lovers m'ont dit? Neuvièmement, quels sont les caractéristiques que les femmes, nous, les hommes que nous, on n'aime pas? Les neuvièmement, c'est qui? Ils ont dit, il y a une lover qui m'a dit qu'elle n'aime pas les hommes qui rotent, qui pètent et qui ronflent. Péter, ronfler, qui rotent. Après, moi, je... Oh là là! Non seulement ils rotent, non seulement ils pètent, en plus, ça ronfle la nuit, ça t'empêche de dormir. Ça t'empêche de dormir. Alors, il y a une lover qui m'a dit qu'elle, elle n'aime pas des hommes comme ça. Ça pète, ça ronfle. Ça rote. Elle n'aime pas des hommes comme ça. Elle fait, non. Next. Alors, quelles
sont les autres caractéristiques que nous, les femmes, on n'aime pas? Quelles sont les autres caractéristiques? On n'aime pas les hommes arrogants. Les femmes n'aiment pas les hommes arrogants. Les hommes insolents, les hommes impolis, les hommes vulgaires. Hein? Cette catégorie-là, je les ai groupées ensemble. Plusieurs lovers m'ont dit, il y a une qui m'a dit arrogant, il y en a une qui m'a dit impoli, impoli, insolent, vulgaire. Il y a des hommes, quand ils insultent la femme, là, et il insulte, il réfléchit même pas. Ils sont impolis. Ils te disent des gros mots même devant les enfants. Ils sont insolents, ils sont arrogants. Hein? Il ne sait pas demander pardon aux femmes. Même s'il a tort, il n'a jamais tort, lui, il a toujours raison. Des hommes comme ça, les femmes n'aiment pas. Les hommes comme ça, là, nous, on n'en fait pas. On fait... On fait... Next! J'en ai récapitulé, j'en ai 11. Donc, 11e moment, quelles sont les caractéristiques des hommes que les femmes n'aiment pas? 11e moment, on a souligné, plusieurs lovers m'ont souligné, trop exigeants. Des hommes là qui sont contents de rien, ils sont toujours, moi je veux ceci, moi il faut que ça soit comme ça, moi si ce n'est pas comme ça, ça ne marche pas, moi il faut que mon plat il soit comme ça, si tu le fais autrement, je ne vais pas manger, moi il faut que ça soit comme ça. Les hommes exigeants, eux-mêmes, ils ne sont même pas, ils sont même pas l'argent pour donner. Mais pour donner des consignes là, ils sont premiers. Pour dire que moi j'aime que ça soit comme ça, moi j'aime que ça soit comme ça. Mais eux-mêmes là, même pour sortir l'argent là, pour donner, pour qu'on fasse comme lui il aime, ils n'aiment pas donner. Mais ils aiment être exigeants. Moi j'aime pas quand tu sors, moi j'aime pas quand tu t'habilles comme ça. Ces hommes comme ça même, ils veulent même te changer. Quand tu mets ton short, moi j'aime pas, ma femme elle peut pas s'habiller comme ça. Ma femme elle peut pas mettre un short. Moi ma femme, elle veut même que tu sois vieille, que tu mettes des pagnes là. Les pagnes c'est beau, mais la femme doit être polyvalente, doit s'habiller dans toutes les tenues pour se sentir belle, pour se sentir bien dans sa peau. Et des hommes comme ça, ah non moi ma femme il faut qu'elle s'habille comme ça. Elle t'exige même, ils t'exigent même des tenues. Des hommes comme ça, nous on n'en veut pas. Nous on dit next. Voilà mes lovers, j'espère que cette vidéo t'a mis de bonne humeur, cette vidéo ça va te plaire et te faire rigoler en tout cas. Si toi aussi tu connais des caractéristiques des hommes que toi tu connais, que toi tu n'aimes pas, on aimerait bien savoir, dites-les nous dans les commentaires, dites-les nous pour qu'on sache aussi d'autres caractéristiques que je n'ai pas donné là. Dis-nous quels sont les caractéristiques des hommes que toi tu aimerais pas, d'accord, pour qu'on puisse les dévoiler. Si on les dévoile comme ça, peut-être qu'ils vont changer. Parce que nous, les hommes, comme ça, on fait next. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez rigoler et vous allez toujours, surtout si tu as aimé, je veux que tu puisses liker, que tu puisses t'abonner pour soutenir la chaîne et que tu puisses partager. Tu sais, pendant les couvre-feu, il y a des personnes qui sont tristes, il y a des personnes qui sont seules. Des vidéos comme ça, on rigole, ça fait du bien. Ça fait du bien à la morale, ça fait du bien aussi à notre santé. Les rires font partie de la santé. Les rires font partie du bien-être de la personne. Donc, si je te communique un peu de souris, je te communique un peu de bonne humeur, partage la vidéo à d'autres personnes pour qu'ils puissent aussi rigoler. Moi, je te dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos. Mario na l'embie kende na yo na l'embie oh Mario, les lovers, n'oubliez pas, j'attends vos anniversaires, les dates et les prénoms dans mon email pour que je puisse faire une vidéo spéciale anniversaire. Donc j'attends toujours vos prénoms, vos dates d'anniversaire pour que je puisse vous les souhaiter. Je vous dis donc hasta luego pour des nouvelles vidéos. Ciao.